À la veille du baccalauréat général session de juin 2019, certains élèves découvrent que leur nom se retrouve à la fois sur les listes affichées dans deux ou trois centres. Pour d'autres, les noms ne figurent sur aucune liste. Une situation administrative malencontreuse qui frise la méfiance et la crainte des candidats concernés. Depuis l'affichage du c'était lundi, on a remarqué qu'il y a des noms qui se répètent dans deux centres, voire même trois, et il y a même des gens qui m'ont aussi dit que leur nom se retrouve dans quatre centres différents. Le défaut, c'est que mardi, on fera l'examen, mais jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas notre centre précis. On a deux solutions, soit de choisir un centre, mais le défaut, c'est qu'on ne sait pas si le centre qu'on va prendre là, c'est le centre qui est enregistré à Brazzaville. Donc du coup, si on tombe dans un mauvais centre, ce qui va te dire qu'on, au centre où notre nom est enregistré, on sera absent. Ce qui va te dire que nous ne serons pas candidats au baccalauréat, carrément échoué. Ce qu'on veut, c'est que nous donnent des listes précises. Des listes qui témoignent que nous sommes candidats de LVA à Mopoati, soit à Malongo, peu importe le centre, ce qu'on veut, c'est de connaître notre centre précis. Le jury national de Pointe-Noire nous donne des informations précises dès lundi, afin que mardi, on a dans nos centres précis. La circonstance a imposé aux élèves de se rapprocher des responsables de l'établissement. Hélas, la réponse ne semble pas convaincre. Ils nous ont donné trois possibilités pour nous qui avons deux centres. La première possibilité, c'est composer deux jours à un autre centre, deux jours dans un autre centre. Deuxième possibilité, choisir un centre. En supposant que je choisisse Malouango et que mon nom est enregistré à Saint-Jean-Baptiste. Et les fiches d'anonymat se trouvent d'ailleurs à Mopoati par exemple. Donc ce qui devrait te dire que je serai absent à mon centre et je suis déjà forfait à l'examen. Et le troisième choix, il nous a dit que je n'ai pas fait à l'examen. Et je suis d'avance. Le fils, tu peux bien postuler après 9 mois d'études, on est seulement resté là. La première année, j'ai manqué deux fiches d'anonymat. Je me retrouve encore là. L'année passée dans ma classe, on était au nombre de compétences avant, au nombre de 20. Mais tous en ont manqué encore là. Vous avez dit que tous les 20 là, on avait mal travaillé. Il y a d'autres, par exemple, qui n'ont pas de centre. Il y a le nom, il vient là, il y a son nom, mais il n'a pas de centre. Il y a le code, mais il n'a pas de centre. Il ne va pas comment. Ce que nous a dit le proviseur, c'est d'attendre le jury. Depuis le lundi, attendez le jury. Aujourd'hui, on va voir le souverain nous dit, débrouillez-vous. On va faire comment? On va se débrouiller comment? D'où cette interpellation des autorités en charge de cette question ainsi qu'à l'association des parents d'élèves pour que des mesures soient prises avant le lancement des épreuves le mardi 18 juin prochain.